Voilà, donc maintenant il y a encore un autre concept, un autre type de données qu'on va regarder, euh, et puis ça c'est les, les dictionnaires, euh, aussi appelés hash tables parfois. Donc un dictionnaire euh, c'est en fait une, euh, un ensemble de euh, valeurs avec une clé. C'est assez, assez bizarre pour le moment. Euh, bon, un dictionnaire, euh, je vais faire un exemple. Je vais écrire un dictionnaire dans la variable D. C'est fait avec les, les accolades, donc, comme dans, dans JavaScript, c'est assez similaire. Euh, et puis, en fait, on, on fait des, des associations euh, donc, de, de valeurs, de, de clés. Donc, je vais donner une clé. Euh, par exemple, je dis, ok, ben, on prend l'exemple de, de voiture. Allez. Donc, il y a une clé qui s'appelle « Audi ». Et puis on va donner une valeur, les Audi c'est souvent trop cher, voilà, on donne 40 000 pour une Audi. Maintenant on peut séparer une virgule, donc là ça c'est une, une paire de clés et valeurs. Donc l'Audi, ça c'est la clé, et puis 40 000 c'est la valeur de la clé Audi. Maintenant on va faire. Une, de, une deuxième, donc on, sait, on, on peut séparer en fait des, des, ces paires clés-valeurs avec des, des virgules puis c'est là, on va faire une alpha euh, bon ça coûte 3000, allez, euh, c'est moins cher euh, voilà, et puis là on a une deuxième paire on peut mettre une, une troisième euh, et puis là, bon allez, une Bentley pour 400 000, ok voilà, donc là, chez un dictionnaire ça se définit tout simplement comme ça euh, et puis, euh, en fait, je peux faire plusieurs choses avec ces, ce dictionnaire. Une des choses, c'est que je peux euh, demander la valeur d'une clé à condition que je connais la clé. Euh, notez, c'est exactement la même chose qu'avec les listes qu'on a vu en haut, euh, sauf que cette fois-ci, on écrit la clé, le contenu de la clé, donc Audi, Alpha ou quelque chose comme ça, euh, ici entre ces, ces crochets ça me retourne la, la valeur. Je peux aussi faire l'inverse. Euh, Je peux dire, OK, maintenant j'ai encore trouvé une, une, une BMW. Allez, la BMW, elle me coûte euh, 50 000. Et puis, du coup, dans le dictionnaire, la BMW est liée aussi. Et puis, c'est là déjà, on voit une autre propriété d'un dictionnaire. Un dictionnaire, en fait, l'ordre n'est pas défini. C'est l'ordinateur qui, qui change euh, arbitrairement. C'est tout par hasard, c'est euh, plus ou moins en ordre alphabétique. Il a changé les deux, mais là, euh, BM, BMW, Bentley, c'est pas en ordre alphabétique du tout. Okay, donc, un dictionnaire n'est pas ordonné. Il n'y a pas d'ordre dans ce dictionnaire, contrairement à la liste, où la liste, l'ordre est, est, est très bien défini, ne va jamais changer. Euh, et puis, on va aussi référer en fait à, à l'élément à travers sa position dans la liste. Tandis qu'ici, dans un dictionnaire, on réfère à la position dans la liste à travers euh, la, la clé et non pas la position. Par ailleurs, on peut aussi très bien utiliser euh, autre chose que des, euh, des chaînes de caractères comme, comme clé. Par exemple, je peux utiliser D6 euh, 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 voilà. Et puis, du coup, il y a cet élément-là qui, qui est rajouté aussi. Donc techniquement c'est tout à fait possible. Après il faut se poser la question est-ce que ça fait du sens, euh, oui ou non. Euh, voilà. Euh, on peut aussi avoir en fait une liste des clés à disposition en faisant des points keys donc les, les clés. Puis ça nous retourne euh, tiens une liste. Ça c'est une liste qui contient toutes les clés euh, du dictionnaire. Et puis ça en fait après on peut utiliser euh, tout simplement euh, comme pour accéder à, aux valeurs. Il y a par ailleurs euh, l'équivalent euh, des values, ça ne retourne euh, les valeurs, euh, et puis en fait c'est le même ordre qu'ici, qu à condition qu'on n'ait pas changé euh, le contenu de la liste, c'est-à-dire au moment où on fait quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça, l'ordre peut changer. Okay, donc il faut les utiliser ça et ça, ben, plus ou moins l'un après l'autre. Okay, donc ça c'est possibilité de, de 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 créer un dictionnaire. Euh, maintenant les dictionnaires, pourquoi c'est important En fait, euh, les dictionnaires c'est extrêmement important euh, pour inter interagir avec du JSON parce que là on va tout simplement passer des dictionnaires et des listes euh, dans dans les deux sens euh, entre Python et, et JavaScript typiquement. Euh, on peut le faire euh, de manière très facile. Notez par ailleurs que euh, ça. Euh, ce qu'on a ici dans, euh, dans, dans, dans Python, qui est du code Python, euh, je suis allé le copier. Je suis allé dans un navigateur. Euh, je suis allé chercher Chrome. Voilà. Euh, on visite une page qu'on n'a jamais vue encore aujourd'hui. Euh, voilà, je suis affiché les, euh, les outils du développeur. La console JavaScript, en fait. J'aimerais bien la voir. OK. Allez, et puis maintenant, je colle en fait le dictionnaire Python, c'est le code Python que je colle ici. Bon, je donne encore une variable à D. Et puis en fait, on se, tient, on se rend compte, en fait c'est exactement la même chose, c'est exactement la même façon d'écrire. Euh, pour les listes d'ailleurs aussi, je fais encore une liste euh, ici en, en JavaScript. 4, 5, 6, voilà. Allez hop. Et puis, je peux copier-coller ça dans Python. Ça marche très bien, puisque c'est exactement la même façon euh, d'écrire les choses. Voilà. Donc ça a très bien marché. C'est exactement le même concept que dans JavaScript, euh, qu'on a aussi à disposition dans, dans Python. Donc c'est extrêmement pratique, en fait, pour passer de l'un euh, à l'autre. On va voir euh, un peu plus tard comment on peut euh, faire ça.